Eh bien voici deux batteries portables avec un excellent rapport qualité-prix. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui deux batteries portables de la marque Cooktech. D'ailleurs, petite parenthèse, je t'ai déjà présenté eh bien d'autres batteries de cette marque-là qui sont vraiment tip top, que j'utilise aussi au quotidien, que ce soit lorsque je vais par exemple faire des randonnées, lorsque je vais voyager aussi. Elles sont ultra pratiques et puis de très très bonne qualité. C'est vraiment une marque qui est spécialisée aussi dans ce domaine. Et donc aujourd'hui je suis vraiment très content puisqu'on va rentrer un peu dans des batteries, on va dire, avec des prix très très attractifs. À droite on aura une toute petite batterie portable qui fait quand même 10 000 mAh, donc ce qui est plutôt pas mal. Et à gauche nous avons ici une batterie qui va proposer du 20 000 mAh. Et concernant la marque Cooktech, il s'agit d'une marque spécialisée dans les solutions de recharge portable innovantes. Connue aussi pour ses produits de haute qualité, la marque se concentre sur l'innovation technologique ici en offrant des produits compacts et puissants. On va donc commencer avec les caractéristiques de la petite batterie portable qui fait 10 000 mAh. D'ailleurs, elle a une puissance de 30 watts, ce qui est vraiment très intéressant puisque par exemple, si tu recharges ton iPhone 15 avec cette petite batterie portable, eh bien tu peux monter jusqu'à 58% en 30 minutes. C'est 3 fois plus rapide qu'un chargeur standard. D'ailleurs, elle est assez légère, c'est 195 grammes. Elle se glisse aussi facilement dans ta poche ou ton sac. Et ça, c'est vraiment une petite batterie que je trouve ultra pratique. Même par exemple, lorsque tu vas voyager, franchement, j'ai un petit coup de cœur. Je la trouve très très intéressante. On va avoir deux sorties USB-A et USB-C. Bien entendu, la charge simultanée de plusieurs appareils est totalement possible. On va donc retrouver une garantie de 18 mois, donc ce qui est assez intéressant. Et aussi, on a ici un service client qui est très réactif. Elle est assez légère, elle est vraiment compacte. Je trouve que c'est très très intéressant. En plus, tu peux monter jusqu'à 30 watts, donc ça reste quand même assez correct. Là-dessus, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré. Et on va donc passer à la grosse batterie portable, la Cooktech Powerbank, ici 20 000 mAh. Donc on a ici une plus grosse capacité et on a 45 watts, donc ça devient aussi très très intéressant. Alors pour te donner un exemple, l'iPhone 15, tu vas pouvoir le recharger 3,9 fois. Donc c'est vrai que ça te montre aussi la grosse capacité ici de cette batterie là. Ou alors un MacBook Air, tu peux le recharger 1,2 fois. Alors comme je t'ai dit, on a la recharge rapide 45 watts, ce qui globalement va te permettre ici de recharger ton iPhone 15 de 0 à 60% en seulement 30 minutes. On va aussi avoir un câble USB-C intégré, donc c'est aussi intéressant, je dirais original le concept, puisque bon bah voilà, tu peux recharger tes appareils et tout, tu as directement un câble USB-C. Donc ça c'est cool, si jamais tu oublies, ce qui peut souvent arriver, bah là au moins tu es sûr de ne pas pouvoir l'oublier parce qu'il est directement intégré dans la batterie. On a un affichage LED aussi intelligent. On a une charge sécurisée, c'est-à-dire que la batterie respecte les normes, bien entendu, de sécurité IEC et UL. Il n'y a aucun risque là-dessus. Garantie de 18 mois. Donc ça aussi, c'est cool. Ça montre aussi que ici, la marque Cooktech a vraiment confiance en ses produits. Bon, j'arrête de blablater et c'est parti pour la phase test. Bon, eh bien, c'est parti pour la phase test. On aura donc trois appareils ici. Nous aurons deux smartphones. On aura donc ici un ZTE ainsi qu'un iPhone. Et on aura une tablette. Il s'agit donc de la Mi Pad 5. Donc, je vais la laisser sur son support. Ça sera beaucoup plus simple. Bien entendu, ici, qui supporte la charge rapide. Alors, pour te donner à peu près environ, donc ici la charge rapide sur ce téléphone là c'est à peu près 20 watts. Sur la tablette on va osciller vers 15-20 watts ici environ. Et puis sur l'iPhone ça sera 10-15 watts, quelque chose comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer ici avec la petite batterie. Donc qui fait ici, qui a une capacité de 10 000 mAh. Qui a bien entendu une sortie USB qui est juste ici. Voilà. Et nous avons une entrée et une sortie de type C. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir lancer le chargement ici de l'iPhone et en simultané, je vais pouvoir aussi utiliser eh bien le type C pour charger soit la tablette, soit imaginons par exemple le smartphone. Donc c'est parti. Je vais donc d'abord brancher sur la tablette.
Donc ici, on a le chargement rapide qui se fait, comme on peut le voir. Et on peut voir le niveau de batterie ici restant forcément sur la batterie. Forcément, elle est à 100%, donc on peut voir qu'ici, eh bien, elle est toujours pleine. J'ai donc ici l'USB qui sort bien entendu en Lightning pour l'iPhone. Et donc, on va aussi charger l'iPhone en simultané. Et voilà, on a aussi en simultané l'iPhone ainsi que le chargement de la tablette en charge rapide. Donc, ce qui suffit amplement ici pour recharger deux appareils avec cette toute petite batterie de 10 000 mAh. C'est vraiment très intéressant. On voit qu'on est toujours à 100%. Donc là, globalement, elle est à 90%, elle ira à 100% très facilement. Et là, l'iPhone est aussi bien chargé. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. 10 000 mAh, franchement, tu peux recharger ta tablette ici. Tu es largement tranquille. Ou alors, par exemple, ton smartphone. Et en simultané aussi, forcément, après, bah, la batterie va diminuer, hein, parce qu'on charge en simultané ici deux produits différents. Bon, et bien maintenant, on va donc passer ici à la deuxième batterie qui fait 20 000 mAh, qui intègre d'ailleurs, comme on peut le voir, eh bien ici un câble de type C. Donc ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va tout de suite charger le ZTE qui peut monter quand même à 20 watts. Donc là, ça sera suffisant hein, forcément pour la batterie, en tout cas en termes de caractéristiques. Et voilà, on a comme c'est marqué le super chargement. Donc ça, c'est nickel. Et d'ailleurs, on voit que le chargement là, il est vraiment rapide. Donc ça, c'est cool. Et qui monte d'ailleurs, je crois, le super chargement, on peut monter à 30 watts, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Donc là, je peux vraiment charger mon smartphone très très rapidement grâce à la batterie. Donc d'ailleurs, quand on va regarder, on a le niveau de batterie restant. Hein. Voilà. Donc ici à 100%. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la tablette. Voilà. On va voir jusqu'à où on va pouvoir aller. Donc, je me mets comme ça. Je branche le type C ici, hop, dans la batterie. Voilà. Ça se clipse. Et puis, on va mettre maintenant, tac. Et donc là, comme ça, pas facile avec une main. Et c'est branché. Alors, on a bien le chargement rapide. Et là, on a toujours le super chargement. Donc, très, très intéressant. Simultané, il arrive quand même à charger ici deux appareils. Alors, forcément, la batterie, elle peut supporter jusqu'à 45 watts. Donc, c'est que derrière, ici, on va être, je pense, on devrait être presque à 40 watts, hein, je pense, entre les deux devices, les deux appareils. Bon, et maintenant, nous avons aussi, donc très très intéressant, une sortie USB où je vais brancher en fait l'iPhone. On va recharger l'iPhone. Hop. Voilà. Donc là, on peut voir que je passe en chargement. Forcément, parce qu'en fait, il y a une répartition ici du chargement qui va se faire, donc il ne pourra plus supporter le super chargement et la charge rapide ici, puisque je mets un troisième appareil et qui va devoir forcément ici eh bien, envoyer sur trois ports différents. Donc on a le chargement, on a ici un chargement traditionnel, et là on a un chargement aussi traditionnel, on n'a plus le super chargement qu'on voyait juste avant. Voilà, donc très très intéressant, on peut charger ici jusqu'à trois appareils, que ce soit même une tablette, un iPhone ou même un smartphone traditionnel. Par contre, c'est vrai que si on veut bénéficier de la charge, par exemple ici super rapide, eh bien il va falloir en fait forcément ici débrancher au moins un appareil. Donc par exemple ici j'ai débranché l'iPhone. Hop, on enlève ça. Voilà, donc par exemple ici il y a juste un appareil, on peut voir ici le chargement rapide. Et donc là par exemple, comme on a pu le voir tout à l'heure, on met un deuxième appareil. Et donc ici on aura le super chargement qui se met en place à 12%. Voilà. Donc très très intéressant cette batterie-là qui va forcément pouvoir beaucoup plus supporter, qui permettra de beaucoup plus, en tout cas ici, utiliser cette forme de supercharge, d'accord? Avec en tout cas deux appareils. Lorsqu'on met le troisième appareil, on va voir qu'on va tout de suite redescendre à une charge traditionnelle, ce qui reste aussi très correct. Et donc c'est parti, on se retrouve sur le bureau. Ici, on va regarder en temps réel concernant le chargement de ces deux batteries. Donc ici, on sera bien entendu avec un double type C, sachant qu'on peut monter jusqu'à 100 watts. Donc on va voir au niveau des batteries. Donc on va commencer avec la petite de 10 000 mAh. Donc là, je branche et puis on va regarder ensemble. Donc pour le moment, on est sur un chargement à 11 watts sur 20 watts, 26 watts,
ce qui est vraiment pas mal. On a aussi une signature lumineuse, donc ça aussi c'est cool, vraiment, en plus très très joli, bleu, vraiment très sympathique. Je pense qu'on a à peu près 30% ici de batterie et c'est en cours de chargement pour atteindre les 50%. Voilà, donc là bah, en tout cas c'est assez intéressant, on est sur du 26 watts ici en chargement. Bon, et bien maintenant, on va donc passer à la grosse batterie. Donc, c'est parti. On va prendre le type C et donc on va attendre un petit peu. Donc, là, on est sur du 5 watts, 26 watts et donc on va 39 watts. On va rester sur, je pense, à peu près 40 watts en chargement. Donc, aussi intéressant puisque forcément, on a une plus grosse capacité. Donc, derrière, on a un peu plus en puissance ici. En chargement en type C, donc très intéressant. Et d'ailleurs aussi, j'aime bien vous le montrer à chaque fois, hein, que ce soit une signature lumineuse ou par exemple ici le petit écran, hein, qui permet eh bien de voir le niveau de batterie restant. Et donc c'est assez intéressant, on voit que c'est en chargement, ça clignote et qu'on a 28% pour le moment ici de batterie. D'ailleurs au passage, hein, concernant les batteries de la marque Hooktech, pour te montrer, hein, ici, ben voilà, j'ai deux batteries de la marque Hooktech que je vous ai présentées sur ma chaîne YouTube, que j'utilise au quotidien. J'aime énormément cette marque-là, c'est vraiment tip top. N'hésitez pas à visionner mes autres vidéos concernant la marque Hooktech. Font vraiment de superbes batteries. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui ces deux batteries portables qui sont relativement compactes. À droite ici, nous aurons tout simplement donc une batterie qui fait 10 000 mAh, qui peut monter quand même jusqu'à 30 watts. Donc ça reste, je trouve, très correct. Franchement, j'ai vraiment un coup de cœur, surtout bah, pour ses dimensions, son poids qui est quand même moins de 200 grammes et qui peut se faufiler un petit peu partout dans un sac et tout. Franchement, cette batterie-là, c'est vraiment excellent. 10 000 mAh, je dirais que, bon, voilà, tu vas pouvoir charger, il n'y a aucun souci, ton smartphone, tout ça, à 100%. Après, forcément, si tu veux le recharger plusieurs fois, bon, bah, il faudra plus se pencher vers une batterie, donc celle-là qui fait 20 000 mAh et qui peut monter jusqu'à 45 watts, donc là aussi on peut monter un peu plus haut, ce qui est assez intéressant. On va voir d'ailleurs ici le câble, hein, qui est directement intégré avec le type C, et puis on aura aussi un port ici de type C in-out et un port USB. Bon, et donc concernant les tarifs, alors la petite batterie qui fait 10 000 mAh, elle est environ à une trentaine d'euros, ce que je trouve vraiment pas cher, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et celle qui fait 20 000 mAh, elle est à environ 50 euros. Moi de mon côté, j'ai un petit penchant pour la toute petite. En termes de rapport qualité-prix aussi, je trouve franchement c'est excellent pour du 10 000 mAh, tu montes à 30 watts et tout, et puis surtout par ces dimensions qui sont vraiment en tout cas ici très intéressantes. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer la vidéo parce que tu vas kiffer.